Rodez 17e accueille le Paris FC 4e. Les Ruthénois n'ont pris qu'un point sur les trois derniers matchs. Ils restent surtout sur une série de 15 rencontres sans gagner. En face se présente le Paris FC qui n'a pris que 2 points sur les 4 derniers matchs mais qui joue bien sûr toujours la montée et reste bien positionné. Le Paris FC avait lutté pour battre Rodez 1-0 seulement lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Début de match en faveur des Ruthénois avec cette première opportunité. Une frappe sauvée par le gardien de but du PFC, Vincent de Marconnet, toujours présent. Belle possibilité pour les joueurs locaux. Suite à ce tir de Corredor, la réponse avec cette balle légèrement déviée. Le coup franc de Mustapha Nam, 1-0 pour le PFC. À la 11e minute, le tir semblait cadré, le but est attribué à Mustapha Nam. 5e but de la saison pour l'international sénégalais. Le PFC devant au score avec un petit peu de réussite car la balle a été déviée, n'a laissé aucune chance à Lionel Passinzao. Un gardien de but de Rodez sollicité qui ici parvient à sauver la situation. Bonne possibilité pour le PFC, mais le gardien de Rodez est solide. Une bonne tentative pour Sibi. Et pas de but supplémentaire en première période. 1-0 pour le PFC à la mi-temps. Rodez est sur un chemin très dangereux, à prendre très peu de points ces derniers temps. Une égalisation ferait beaucoup de bien. Ça reste possible en seconde période, avec notamment cette possibilité. Le tir sauvé par De Marconnet. Deuxième chance, ça n'est pas cadré. Première possibilité pour Corredor. C'est sauvé par le gardien, c'est suivi par Rajo, mais ça passe à côté. Double chance d'égalisation pour Rodez. Mais il n'y a plus d'autres opportunités dans ce match. Et le PFC tient jusqu'au bout son résultat. Victoire précieuse du Paris FC, 1-0 sur le terrain de Rodez. Des Ruthénois qui, à cause de cette défaite, deviennent 18e et barragistes.